couche-toi, couche-toi. Attends, attends, attends. Il n'y a pas une Bible ici. Mais tu vas où? Regarde. Je sais pas. Tu es venu dehors. Maintenant, les gens vont nous regarder. C'est pas bien. Et pourquoi? Bébé, rentrons. On va discuter de ça. Dedans. Non, je dis non. Je suis fatiguée. Mais, attends, mais à qui tu veux laisser les enfants? Les deux enfants, à qui tu veux laisser ça? Je te dis non. Tu peux garder les enfants. Tu ne peux pas prendre soin des enfants. Mes copines sont en ville, elles sont belles, elles sont jolies, elles portent des pailles de luxe, des pantalons, des jeans. Mais par contre, moi, je suis toujours dans ma même habit, hein, avec la même perruque sur la tête. C'est le mot mari seulement que tu représentes dans ma vie. Mais ça fait 10 ans, toi et moi, on est ensemble. C'est pas aujourd'hui que tu vas me quitter. J'ai dit que tout va changer bientôt. Voilà. Tu vas où avec ça? Depuis 10 ans, toi, mais tu viens de dire depuis 10 ans. Mais tout ça va changer, bébé. Tu veux aller où? À qui tu veux laisser tes enfants? Car tu peux garder. C'est pas parce que j'ai des enfants que je vais devenir vieille. À cause de deux enfants. Bébé, pardon. Non, 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 non. Bébé, je te dis non. Je peux pas. Aller en famille pour discuter de ça. Ça va changer. Dans quelle famille? Mais chérie, ici, c'est où? Ça, le temps veut un peu se reposer ici. Ah bon? Oui. Ok. Allons-y. Tu fais quoi depuis là? Faut te dire bien, on va gérer rapidement, non? Bébé, s'il te plaît, attends, sois-toi un peu, j'ai quelque chose à te dire. Dans une heure là? S'il te plaît. Oh, faut vite parler, faut vite parler. En fait, je voulais juste te dire que j'espère que tout ce que tu as promis me donner là est sincère. Parce que je suis sortie avec certains jeunes qui m'ont promis tout, mais ils n'ont pas respecté ça. Il y a d'autres même qui m'ont promis la lune. Ils n'ont pas décroché. T'inquiète pas, je t'ai promis une boutique, non? Oui. Tout est déjà au point. On n'a qu'à finir de gérer rapidement, toi, mais tu vas voir la suite. Hein? Couche-toi, couche-toi. Attends, attends, attends. Il n'y a pas une Bible ici. Mais pourquoi? Je veux que tu me rassures. Oh, chérie, il faut laisser ça. Allons-y. On est à l'auberge, tu parles. Hein? Toi, tu demandes toujours les mêmes choses. Je t'ai dit, ça n'a jamais changé. Oui, mais si là, je te vois, tu fais pas qu'il a utilisé mon code promo, ABIS229, sur AinsBet. Hein? Pourquoi tu te négliges? J'ai dit d'utiliser. Et tu vas gagner beaucoup d'argent. Pourquoi tu te négliges? C'est pas normal. Abyss. Attends, attends, je te rappelle. Chantal, attends, toi, tu fais quoi ici? J'ai été te manquer dans l'autre maison. Et on m'a dit que tu es ici maintenant. Mais pourquoi tu me cherches? Depuis près de 9 mois maintenant, tu ne cherches même pas à prendre la nouvelle de tes enfants. C'est pas normal. Maintenant, tu es venu maintenant, pourquoi? Abyss, je suis désolée. Désolée de quoi? J'ai mal agi. Je pensais que j'allais trouver mieux ailleurs. Mais apparemment, il n'y a rien en ville. Il n'y a rien au dehors. Et aujourd'hui, je regrette amèrement tout ce que j'ai fait. J'ai abandonné mon foyer. J'ai laissé mes enfants. Les gars, moi, ils ont abusé de moi, tout. Mais là, tu es revenu maintenant pour faire quoi maintenant encore? Je suis venue pour réparer mes erreurs. Attends, avec tout ce temps maintenant que tu es parti maintenant, tu as revu maintenant pour réparer tes erreurs. C'est impossible, ce n'est pas bien. Hein? Je te demande pardon. Mais je t'avais tout dit, je t'ai dit de rester, de regarder les enfants. Hein? Il fallait regarder à cause des enfants et rester. Hein? J'ai mal agi, je pensais que j'allais trouver mieux ailleurs. Ah, bébé, tu es revenu, ça va? Je t'avais dit. Bébé, c'est qui? C'est la mère de tes enfants. C'est Chantal. Celle dont je t'avais parlé dans le temps. Je veux savoir, le docteur a dit quoi? Eh, Abyss s'est remarié. Et moi, bébé. Ok, d'accord. Bébé, quand tu viens. D'accord. Donc, j'ai perdu ma place comme ça. Vraiment, Chantal, vraiment, c'est bien quota. Eh, Dieu! C'est bien quota. Je t'avais tout dit. Fallait rester un peu, juste un peu de temps. Et tout allait changer.